Je sais que c'est dur. Ce qui est arrivé est inimaginable. Mais pour vous aider, je dois en savoir plus. Mademoiselle. Mademoiselle. Allez. Dites-moi ce qui s'est passé. Ok. Mes parents m'ont dénoncé quand ils ont appris que j'avais des pouvoirs. J'étais... dévastée. Mais mon frère, Brent, m'a jamais laissé tomber. Il m'a prise par la main et on s'est enfui. On a passé plusieurs années dans la rue à faire profil bas, sans jamais se fixer nulle part. On a fait des choses discutables pour de l'argent. Mais le job qu'on a accepté avant de quitter Seattle, c'était pire que tous les autres réunis. Allez, quoi? C'est la dernière fois. Tout y est, on peut y aller? Non, cette fois c'est le jackpot. Combien? Assez pour louer un bel appart. Ah ouais. Ouais. Assez pour un chat sacré de Birmanie. Hein? C'est mesquin. Assez pour un nouveau départ. On en a besoin. Merde, baisse-toi, baisse-toi! C'est des flics. Bon, planque-toi. Je fais diversion. Attends. Fais ce boulot et on part cette nuit. Personne ne nous retrouvera, hein? Ouais, dès que... Non. Non, n'utilise pas tes pouvoirs. Je vais tuer personne. C'est ma part du boulot. Fetch. Ok. Toi. Stop. Regarde-moi. Allez, lève les yeux. Oh, c'est vraiment nécessaire. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Infamous Fish Life. Oh désolé, hein, j'ai du mal à prononcer l'anglais. Donc édité par Sony, développé par Sucker Punch, voilà. C'est un type d'action, il est sorti aujourd'hui le 26 août sur le PlayStation Store uniquement pour la modique somme de 15€. Et vous pourrez... plus tard, au partir du mois de septembre, le 10 septembre, si vous voulez, l'acheter en petite boîte. Mais par contre, là vous paierez 20€. Voilà, vous paierez vachement plus cher. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors, je fais pas de la pub, hein, je vous le dis, c'est tout, c'est juste des informations. Bah écoutez, sans plus attendre, on y va, on est parti pour Allez, je vais mettre une limite de 1 heure, 1 heure pour le premier épisode, voilà, même si on peut pas forcément appeler ça le DLC, puisque j'en ai plus l'impression que c'est un jeu indépendant, voilà, vraiment on a plus l'impression de jouer à un nouveau jeu, mais voilà, donc c'est parti. Vous voulez voir un truc? C'est parti! Brent m'a toujours poussé à cacher mes pouvoirs. Il disait que si les gens apprenaient qu'un porteur était en ville, il y aurait une nouvelle chasse à l'homme. Mais cette nuit-là, j'étais pas inquiète. J'allais utiliser mes pouvoirs pour faire le boulot. Et on partirait tous les deux. On serait déjà loin quand le DUP se pointerait. Ok, allez, c'est parti, on va échapper à la police donc. Hop. Alors, j'ai l'impression que le jeu est vachement plus joli que la version d'origine. Alors, est-ce que c'est moi qui bug ou pas? Par contre je bug parce que je tourne en rond, je sais pas pourquoi elle tourne comme ça. Il y a un petit problème dans la manette. Bref, peu importe. Bah écoutez, on y va. Hein. J'espère que vous allez bien m'entendre cette fois-ci.
J'ai fait quelques petits réglages par rapport à aux vidéos de Last of Us. Parce que j'ai remarqué que le son était trop fort au niveau du casque, au niveau du PC, donc j'ai baissé. Du coup, j'ai fait une première tentative par rapport à Infamous, et du coup, on m'entendait plus du tout. Donc j'étais obligé de relever un petit peu. Ouais, attends, la flotte, c'est vrai que les personnages ici ne nagent pas. Par contre, ils m'ont fait revenir à mon point de départ. Va pas le faire, ça. J'ai fait quelques petits réglages. Normalement, vous devrez m'entendre vachement mieux là. Voilà. Donc, on est parti pour une heure avec un bon PC, nouveau PC et tout. Voilà. Avec un vrai bon PC cette fois. Ça va. Hop, parce que hier j'ai pu jouer à LOL. Ouais, bon, bref, on s'en fout, mais j'ai pu tester LOL. J'ai pas pu tester, non. C'est pas la première fois que je joue, mais je veux dire, c'est la première fois que j'ai un PC qui tient la route. Voilà. Bref, peu importe, ça c'est du blabla, on s'en fout. On y va, donc on va fuir la police. Et par contre, c'est pas facile parce que vous voyez un hélicoptère derrière moi. Voilà, vous voyez la petite lumière blanche chez l'hélicoptère. Lâchez-moi! Alors attendez, on va se mettre là-bas. Hop, dans un coin. Je suis à l'abri? Je vais essayer de troller les flics. On va se mettre là. Je peux pas suivre ça. Attends. Je l'ai semé. Bon. C'est le mauvais coin. On va ailleurs. Par contre, ça serait bien que ça se dépêche là. Hop. Parce qu'en une heure, j'aimerais vous montrer un maximum de choses. Bon, l'hélico, tu me vois pas, alors dégage. Voilà. C'est bon. Normalement, c'est bon. Ou pas. Ah, voilà, c'est bon. Brent, ça va? Ouais, ça va. Mais dès que t'as commencé à briller, toute la ville est devenue cinglée. C'est trop dangereux, on doit partir, et vite, le Delphée arrive. Tu voulais prendre un nouveau départ? Et tu sais que je veux ce chat. Dis-moi quelle est la mission, et je m'en occupe. D'accord, mais fais vite. C'est la barre entre la troisième et Stone. Entre et chope le sac rouge. Ok, y'a quoi dans le sac? Récupère-le, et on se casse avec un bateau chargé de fric. Ça me plaît, ça. On va s'en tirer, frérot. T'as toujours un train d'avancer. Fais vite. Je me le pardonnerai pas si tu te retrouvais dans une cellule du DUP. Que voilà. Donc cette histoire se passe avant les événements du jeu d'origine. Mais je sais pas pourquoi elle tourne comme ça. Attendez, il y a un problème là. Pas pourquoi elle tourne alors que je ne tourne pas. Bizarre. Allez, on va à l'appartement récupérer je sais pas quoi là. J'ai pas très bien compris. Un sac. Allez, c'est parti. La classe. C'est fermé. Ah, par contre, j'ai plus. J'ai pas assez de pouvoir là. LOL, ça bug. LOL. Ah. Hein? On a dit pas de témoin. Tu l'as. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Je veux juste le sac marin rouge. C'est tout. D'où ils sortent? Salut. Il est où ce sac? Ça va les mecs? Oh, un baby-foot. Un baby-foot. Allez, on récupère le sac, on se barre. Merde.
Faut que je me charge. Je vais en avoir besoin. C'est bon. Fetch, tu vas bien? Tu y étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça grouillait de Russes qui dansaient autour d'une bombe. Merde. Les Akula. Ils l'ont trouvé. Qui ça? Mon boss. S'ils savaient pour l'appart, ils sauront pour le bateau. On doit partir. Vite! Ok, fais tourner le moteur. J'arrive. Désolé pour tout ça. Je voulais vraiment t'offrir ce chaviron. Je sais. La prochaine fois. Allez, on y va. On est go. Hop. On va aller vite chercher le bateau, là. Fetch, n'approche pas du bateau. Ces Akula attendent dehors. Ils sont armés. Quoi? J'arrive. Non. Si tu fais une crise de panique près de ces types, ils vont me tomber dessus. J'ai la situation bien en main, t'inquiète. Maintenant, raccroche et va te cacher. Allez, on y va. SOL frérot. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Je pense que oui. Passer par là, hein, ça va plus vite. Hop. Les quais. Salut. Les quais, c'est là, non? Ouais. Hop. J'arrive, mon frère! Tiens bon! Tiens bon, frérot! Brent? Non! Brent! Brent! Allez, réponds. T'es où? Chaque fois que je sentais monter la panique, je me concentrais sur Brent. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Notre première nuit à Seattle, on s'est réfugiés sous un pont pour s'abriter de la pluie. On a lu des comics à la lampe torche, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Et puis, ce type a essayé de nous voler le peu de choses qu'on avait. Et j'allais lui faire payer très cher. Mais cette nuit-là, on a fixé les règles. Règle numéro 1, pas de pouvoir, quoi qu'il arrive. On risquait de perdre du matos. Mais Brent voulait pas qu'on se perde, nous. Mais j'ai utilisé mes pouvoirs. C'est ma faute s'il est plus là. Ma faute. J'ai disjoncté. Ces absences du monde réel m'ont changé. Je revenais avec d'autres pouvoirs comme si mon corps... Mon corps voulait se battre, mais mon esprit... Non. Vous avez bien coopéré, mademoiselle. Faisons une pause. Vous pourriez me montrer les talons nés de votre... fracture mentale. Je croyais que vous vouliez contrôler vos pouvoirs. Nous sommes là pour ça. Je sais pas. La dernière fois, je... Tentons quelque chose de plus simple. J'observerai vos progrès de là-haut. Surtout, n'essayez rien de stupide. Je connais que ça. Non, mademoiselle. Vous êtes toujours là. Tout le monde a des points faibles. Il suffit de les chercher. Ah, voilà. C'est un début. Mais le monde ne va pas vous attendre. Il faut agir vite. Suivez vos instincts.
Pas mal, mais vous venez de commencer. Vous voudriez peut-être des cibles un peu plus pertinentes. Impressionnant, n'est-ce pas? Ces hologrammes ont l'air réels à tout point de vue. Maintenant, tu es là. Je dégomme pas de trucs à l'aveuglette, ok? Oh, Eugène, le porteur qui a créé ces hologrammes ne vous en voudra pas. Pourquoi faire? Le but est de survivre. Pas que pour vous, mais pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Allez, protégez-le. Ravi de voir que vous avez encore de la rage à revendre. Espérons que vos sens soient aussi affectés. L'heure tourne. Trouvez l'otage et sauvez-le. Il me semblait que vous pouviez voir les gens à travers les murs. Ce n'est plus possible. Bien joué. J'ai caché un deuxième otage à proximité. Cette fois-ci, vous allez devoir vous déplacer rapidement, ou il mourra dans d'atroces souffrances. Ce n'est pas le meilleur temps que j'ai vu sur ce test. Essayons autre chose. Ok. Allons-y. Alors. Ça, c'est les défis actuels. Le menu droite liste des défis disponibles, oui. Appuyez sur L2 pour accélérer à l'écran de l'amélioration. Alors, en terminant les défis, vous gagnerez des points de compétences permettant d'acheter des pouvoirs et des améliorations. Ouais. Donc, alors, utiliser hein, pour sélectionner. Okay. Même si à la base on l'avait déjà. Dunaire, à quelle hauteur pouvez-vous sauter ? On dira rien. Alors, maintenez rond et X pour rebondir. Vous avez assimilé les dalles. Un rond. Mais êtes-vous tenace, mademoiselle Wauquiez? X pour rebondir. Ok. Est-ce que vous vous battez jusqu'au bout ou est-ce que vous vous tirez dans un coin? Allez! En garde, mademoiselle. Balance les otages! Sur le défi. Mais allez bien. Yeah! Et voilà encore une autre victime qui arrive. Ça n'arrête pas. Allez! Hop! Plus vite, jeune fille, voilà un autre otage. Vous n'aimeriez pas qu'il connaisse une fin tragique. Là! Ce qui vous attend est d'un tout petit peu. C'est où? Assois. Oui, mon gros! Voilà. Putain, les mecs sont où? Ils sont là-haut? Ils sont là-haut. Ah ouais. Ah, otage. Préparez-vous à jouer encore une fois, les sauveurs. L'otage, pas de touche à mon otage. J'ai l'impression qu'il vaut pour plus d'opposition. Attendez, y'a un autre gars là. Il y en a un là, mais je vois pas où il est. Ah, il doit être par terre. Bon, c'est pas grave, allez, sauver l'otage. Vous devriez vous dépêcher. Ce nouvel otage a l'air. Allez, viens là, enfoiré. Tiens. Voilà. Tire-toi d'ici. Alors... Toi, tu meurs. Toi. Tu meurs. Oula, oula, oh, oh. Putain, ils sont où? Ah, ils sont en bas. Toi, tu
meurs à jamais. Toi, tu meurs à jamais. Voilà. Allez. Faites lancer l'otage. Yeah baby. Alors là il arrive, ils arrivent par là. Il y en a là-haut. Salut les gars. On se rappelle, on se fait une bouffe. Ah merde. Salut. Ah l'otage là-bas. Il est là-haut. Ah, je suis sous otage. Après, je m'occupe des gars. Voilà. Comme ça qu'on fait. Ah, il y a un autre otage là-bas. Vite. Vite. Là. Foiré. Yeah baby. Hop. Sauver l'otage. Alors. Ah. La vague. Ça y est. Oh easy. 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 Les exploits des entreporteurs sont affichés pour attiser votre esprit de compétition. Je reste disponible si vous voulez vous entraîner. Peut-être avez-vous envie de les battre. C'est assez pour l'instant. Asseyez-vous. J'aimerais que vous finissiez de raconter les événements survenus à Seattle. Après toute une nuit à semer le chaos en ville pour retrouver mon frère, j'ai fini par rejoindre notre bateau. C'est là que je l'ai rencontré. Lui aussi, il cherchait Brent. Excuse-moi, ma belle. Dis-moi, t'aurais pas vu un gars avec une crête iroquoise dans le coin ? Attendez, vous connaissez Brent ? Vous êtes avec les Russes ? Les Akula ? Oh, mais non. Ce sont eux qui ont fait ça ! Bordel ! Y'en a marre qui kidnappent mes employés ! Hey ! Vous savez où il est ? Vous pouvez m'emmener ? Du calme, ma jolie. À ta place, j'irai pas fourrer ma jolie petite gueule dans ce merdier. Je sais pas ce qu'il y a entre Brent et toi, mais... C'est mon frère. Aidez-moi. Ton frère ? C'est toi, Fetch ? Je suis Shane. Shane. Brent m'a jamais dit que sa sœur était une aussi jolie nana. Allez, dites-moi où chercher. Quartier Est, surtout. Merci. Si quelque chose vous revient, appelez-moi sur le portable de Brent, d'accord ? Ouais, ok, comme tu veux, ma jolie. Je compte sur toi pour régler cette histoire, d'accord ? Cette ville va bientôt rencontrer la vraie Fetch. Et pour ça, il me faut un max de néon. Salut Fetch. Je suis en train de me renseigner. Mais en attendant, les Akula vont tirer à vue. Va vite falloir trouver une piste. Ok. Je suis déjà à la recherche de néon. Oh, minute, papillon de lumière. J'ai rien contre le fait de se faire, mais... C'est un truc que j'ai appris dans le New Jersey. Le néon me permet de courir à toute vitesse. Ah ouais ? Bon, je te crois sur parole. Désolé, chef. Faut que je file. Vas-y, crash ! Allez, petit nuage. C'est l'heure de te rendre utile.
Ok. Yeah, baby. Bon, je vais ramasser ça, puis après je vais faire une petite coupure. Désolé, hein, j'ai un truc important à faire. Il y a un petit truc à faire. À faire, puis je reprendrai juste après. Bon, pour vous, c'est juste... ça va pas durer longtemps. Oh, un gros. Et qui bouge. Donc, vous savez quoi, on va faire la course. C'est à toi qu'on doit le feu d'artifice près de la mine. Je t'ai dit que j'avais besoin. Voilà, faut que je file. J'ai pas eu le temps de le laisser parler, cet enfoiré. Toi, mon gros nuage de néon, tu passes à la casserole. Ok, faut le rattraper, c'est ça? Ouais. Faut rattraper le truc là. Ça m'a manqué! Allez vite! Viens là, mon gros! Voilà! Yeah, baby! Ils sont meilleurs quand ils courent! Hop! Ok! Ouais, j'ai compris, hein. J'ai compris, c'est des trucs secondaires. Les cours secondaires, ok. Ça veut dire quoi? Terminer les quêtes secondaires de la carte pour remporter des points de compétences de vrai. Ah, ok. Bon, on verra ça plus tard. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse de l'annexe ou pas. Voilà. Sans réponse de votre part, il n'y aura pas de quête annexe fait sur Renfemus. Voilà. Puisque j'ai pas le temps, puisque... bah, normalement, après Renfemus, après ce DLC, normalement, bah, je vais enchaîner avec une vidéo spéciale et puis je vais enchaîner avec... Regardez ça. Je vais finir ma phrase, hein, vous inquiétez pas, je vous montre juste ça. Tellement que c'est magnifique. Oui, normalement je dois enchaîner avec Destiny. Donc voilà. Libérer le néon. Voilà, ça fait première mission réglée. Donc écoutez, depuis. Donc voilà. Fetch ma chérie, je viens de tâter du doigt quelque chose de lourd. Les Akula vont recevoir une énorme cargaison d'armes. Aide-moi à les voler et je détache 50 hommes armés dans l'heure. Pour retourner la ville à la recherche de Brent. Génial, merci. Et arrête de m'appeler ma chérie. Tes fantasmes regardent que toi. Bon, passons à la suite. Allons, je te signale que certaines femmes me trouvent parfaitement irrésistible. Surtout celles que tu payes. Bon, retrouve-moi dans la ruelle derrière la sandwich Rignat quand tu seras prête à voler mes armes, ok? Ciao. Surtout celles que tu payes, c'est ça qu'elle a dit? Lol. Bon, bah écoutez, je vais faire une petite coupure. Le temps que j'aille chercher, que j'aille faire un truc. Et puis je vous retrouve ici, juste là. Et puis on ira. Tout attendez, on va mettre la carte et on va mettre un petit. C'est où? C'est fou, faut aller où? Non. Faut aller où? Ici. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite. A tout de suite pour vous, moi, voilà, bah, 30, ça fera 30 minutes pour la deuxième partie, voilà, je m'arrête à 30 comme ça, je ferai 30 minutes, ça fera une heure. Allez, à tout de suite pour vous, pour moi tout à l'heure, juste le temps que j'aille faire ce que j'ai à faire. Désolé, hein. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti. Et après une petite pause. Alors, il faut aller où déjà? Ah, là-bas. Allez, on est back. J'ai profité de ma petite pause pour regarder le premier enregistrement en même temps. Et ça a bien marché. Vous m'entendez bien. Il n'y a pas eu de trop de bugs comme il y a eu... sur The Last of Us, il y a eu quelques petits bugs. Bon, ça s'entend pas... Ça t'entend pas beaucoup, mais... un professionnel du son... peut le détecter assez facilement. Voilà. Allez, donc on est parti, sans plus attendre. Donc moi, pour moi, c'est 30 minutes qui me reste à faire. Ça fera une heure.
Et oui, parce que ça faisait 30 minutes, donc 30 et 30, ça fait 60. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné un pins. Non, je rigole. Alors, c'est parti. Où est le truc là? Ah, il est en bas. Yeah, baby. Allez, c'est parti. Ah, mince, c'est ça. Fetch! Le camion est plein! On remballe! Le camion est plein. Je crois que j'ai déclenché l'alarme en entrant pour prendre les flingues. Si les Akulas nous rattrapent, t'as intérêt à me couvrir. On y va, t'inquiète pas. Écoute, Trésor, s'ils découvrent que c'est moi qui pique le matos, il y aura des retards. Allez, avance, au lieu de parler. Là. Franchement, évitez ça. Hé, hey, t'as une porteuse dans ton camp, ils vont se faire laminer. On apporte ces armes. Porteuse. Pour qu'ils puissent chercher Brent. Et on est bon. Moi aussi, j'ai une porteuse. Fetch! T'éloigne pas, je gère. Allez. Allez. Ah, par contre, il y a des voitures derrière. Ah non. Ah, des voitures devant. Non? C'est pas eux? Lol. Ah non, c'est eux. Salut les mecs! On se rappelle, on se niveau? Ah oui, c'est vrai, lui. J'arrive! On est coincé. J'abandonne le camion. Couvre-moi, je pars! Non! Du calme, je dégage la route. Ouais. Voilà, j'ai dégagé la route. C'est comme ça qu'on fait, on dégage la route. Putain, c'était chaud. Ah, il y a des voitures encore. Non? On pourrait se planquer un peu. Y a les flics. Ça me permettrait de recharger les batteries. D'accord. Je connais l'endroit idéal. Qui viennent se mêler un peu de ce qui ne leur regarde pas, comme d'habitude. Voilà. Bon, la voie est libre. Go. Go. Go ninja, go ninja, go, go. Bonjour. C'est la police. Bonjour. Bah alors. Où est-ce qu'ils ont dégoté leur camion? Ça pète pas. C'est pour ça que personne ne peut voir. Ah. Je vais essayer de couper par le parc. Ok. Alors. Oula, oula, oula. Là. Putain, mais pourquoi mon pouvoir il marche plus là? D'accord, je peux plus rien faire. On aurait carrément dû faire ça dès le départ! Ouais, mais c'est la merde parce que la voiture elle va bientôt exploser. La voie devrait être libre. Oulais. Ces types abandonnent pas. T'as une idée? J'ai un plan pour fuir. Alors. Arrive. Un bus? C'était qui? On va vraiment crever. Et voilà. Ouh, on a réussi, putain. Eh ouais. Des fois, tout marche comme prévu. Ouais. Merde. Alors, comment ça se fait? Oh bien. Jamais vu aux infos. Une porteuse aussi puissante. Oh bien. Ça doit être l'ennemi public numéro 1. Brent me recadre. Il m'aide à faire profil bas. Ah oui, là, il y a des méchants. Oh, c'est terminé. Il y a le méchant. On décharge ici. Ça ne va pas. Ouais, on fait une sacrée bonne équipe, tous les deux. Non. Imagine ce que ça donnerait. Meurs pas! Ouais! Je te fous dans le cœur, ton pieu! Eh, mission accomplie! Oui? Merci. Hey, tu calmes! Et si je te disais que j'avais déjà lancé des indics? À la recherche de ton frangin! Je te transmets leur position, ils ont peut-être déjà trouvé des pistes. Une seule phrase et tu remontes dans mon estime. Comment tu fais ça? Ah! Ah, l'amour! Salut! Ah merde, je croyais qu'il y avait quelqu'un là. Il y a des tirs là, mais je sais pas d'où ça vient. Bon. C'est pas grave, hein. On va aller à la mission.
Je sais pas où ça tire, hein. J'entends des tirs, mais je sais pas du tout où ça tire. Olé, olé, olé. Plus vite que Sonic. Yes. Plus vite que l'éclair, plus vite que la lumière. Oui, je sais que j'ai dépassé le truc depuis longtemps. Yes. Oh merde. Quelle connerie. Je viens d'apprendre qu'un gars à moi qui recherchait Brent s'est fait descendre par sa coulasse. Désolé, poupée, mais je vais arrêter les frais. C'est trop dangereux. Je m'occupe de la protection. Dis à tes hommes que je protégerai tous ceux qui cherchent Brent. Ça va marcher. Dès que je l'ouvre, je l'abats. Je dois faire vite. Ok. Salut. Ah. Voilà. Shane, ton gars respire encore. Ravi d'apprendre que t'es forte à ce petit jeu. Parce qu'un autre de mes hommes vient de se faire repérer. Bah oui, hein, comme par hasard. Hein. Salut. Ah, j'ai pas le temps, désolé. Pas le temps de m'amuser avec toi. Allez. Ah, il me tire dessus lui. Oui, j'ai pas le temps de m'amuser avec toi là. Oh wow. Voilà. Allez. Bah, je suis dessus là. LOL. Ah. Ah, il faut viser ça. Voilà. Faire feu d'artifice. Vol. Tu l'as sauvé. Ça tombe bien. J'ai besoin de tous les gros bras. Rejoignez le sniper. Hein. Si tes hommes se font griller, il faut qu'on en profite. Tiens, on va rejoindre par là. C'est la classe comme ça. Je me planquerai sur le toit. Plus vite que le métro. Yeah. C'est fail. C'est ça, elle s'appelle fail, non? Quand t'ouvriras le feu, je viendrai prendre mes gars et on partira de là. Ouais, si tu veux. Bah alors, je voulais faire un truc. Je veux tester quelque chose. Yahoo! Ah merde, j'ai pas pu. J'ai raté mon saut. Mais voilà. Yes, et c'est parti. Je vous présente la sulfateuse, les mecs. La sulfateuse. Ouais, la sulfateuse. Shane, je fais diversion. Évacue tes hommes. Ouais, madame. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Les snipers, non? Ah ouais. Bonjour. Ok. Mes gars se faufilent dans la ruelle. Les Akulas sont tellement concentrés sur toi qu'ils ont rien vu du tout. Super. C'est oh putain. Ils vont être servis. C'est qui est bien dessus là? Ah, c'est toi le petit malin là. Attendez, ils sont trois là-bas. Room service. Bonjour. Room service. Ah toi t'as bien fait de venir. Oh oui. Toi aussi. Bonjour. Je savais qu'il y avait des mecs sur le toit, je sais pas pourquoi. Oh, on se calme là. On se calme les mecs là. Shane, tout le monde va bien? Tes hommes ont trouvé Brent?
bon, j'ai l'impression que tu leur as remonté le moral avec ta petite démonstration. Waouh, c'est incroyable, t'es une véritable machine à tuer. Je suis pas un monstre. Je... Faut que je retrouve mon frère. Des fois, je disjoncte quand il est pas là. Dans ce cas, c'est ton jour de chance. Un des hommes que t'as sauvé a entendu dire qu'un lieutenant des Akula avait fait une descente à Georgetown. Mince, si pourquoi il veut pas? Ah putain, comment on atteint le truc là-haut? Jusqu'à l'endroit où ils tiennent Brent. Des fois, t'es pas si horrible en fait. Ah, est-ce que tu vas enfin permettre aux cow-boys de chevaucher le taureau? Les taureaux sont tous mal. Ah, tu t'arrêtes à des détails. Ah, c'est dégueu. Non, c'est pas du détail, c'est vrai, mais... Les taureaux sont tous mal. Wow! Qu'est-ce qui se passe, là? Problème, là? Problème? Bah oui, c'est ça. Tiens! Oh, mais où? Il m'attaque normal, je me balade, il m'attaque. Tranquille. La vitesse. Yes. Allô? Fetch, bonjour, je m'appelle Jenny. Je bosse pour... avec Shane. Je suis censée t'aider à retrouver un lieutenant des Akula, je crois. Par téléphone? On va se servir des caméras de la ville. Tu me donnes leur numéro de série, je cherche les vidéos. Je t'envoie les dernières coordonnées de notre homme. Attends, le numéro des caméras... T'es qui déjà? Jenny. Je travaille pour la municipalité et pour Shane, parfois. Le numéro de série ressemble à un code QR. Tu peux le scanner avec ton portable. Grâce à ça, je pourrais visionner la vidéo. On a un logiciel de reconnaissance faciale pour la police. Plutôt flippant. Voilà, j'y suis. Trouve une caméra dans le coin. Ok, c'est bon. Il faut que tu scannes le numéro de série. C'est notre homme. Suis-le. On va utiliser des caméras individuelles pour suivre sa piste. Je peux pas faire de recherche globale, ça déclencherait l'alarme au boulot. Il faut le suivre. Suivons-le. Caméra là-bas, caméra là-bas. Caméra ici. Qu'est-ce qu'on cherche là? Il paraît que les Akula ont une planque pour leurs otages. Si on le suit, il nous mènera là-bas. Et Shane, y a quoi entre vous? Eh bien, toi tu cherches ton frère. Moi, il me fallait autre chose. Maintenant... Quand Shane m'appelle, je l'aide. Faut juste que je fasse ultra gaffe au boulot. Ah ouais. C'est quoi qu'il te fallait? Évite juste de trop tremper dans ce genre de choses. C'est qui ce type, au juste? Caméra style. Du trafic d'êtres humains pour les Akula. Du trafic d'êtres humains? Tu parles d'esclavage? Tout juste. Alors... Je crois qu'il avait vu sur cette fille. Pas une caméra là-bas? Caméra style. Caméra là. Rien. Comment ça, rien? Je te foutrais pas de ma gueule là. Bah non, là, rien non plus. Ah si. On monte les escaliers, hop. Ah, j'ai raté mon coup. J'ai l'impression qu'il y a une scène de crime ici. Ouais, la caméra. Ah ouais, c'est une japonaise, hein, la meuf. Hein. Oula. Ok. Ok. Elle est dead. Il vient de tuer ce type. Et c'est eux qui ont mon frère. Hop. Euh...
par là? Ouais, c'est par là. Yes. Ça va mal finir. Non, c'est vrai. Caméra là. Caméra style. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Ne tue pas. Ah, il a tiré dans quoi là? T'as les mecs qui se ressemblent quoi, lol. Il l'a enlevé. Attends, je crois qu'il a perdu quelque chose. Ouais, perdu quelque chose. Jenny, tu peux savoir ce que ce type fait de ses journées à partir des données de son téléphone? Bien sûr, il me faut juste un peu de temps et une copie de sa carte SIM. Je te l'envoie. On va récupérer mon frère et faire payer ses enflures par la même occasion. Ok. Bon, on va continuer. Fetch, mon groupe d'enquêteurs est tombé sur une embuscade des Akula. Ça sent le roussi. Alors tu veux que j'aille tabasser les petits caïds du quartier? C'est ça? Bah, ouais. Ce sera avec grand plaisir. Dis-moi juste où aller. Au fait, Jenny est génial. Appelle-la, on tient une piste. Alors, faut aller là-bas. On va tabasser les grands caïds du quartier. Ouais. Alors montrez-moi qui est le boss là. The boss. Non, sans déconner. Bon, on y va. Yeah baby. Bonjour, bonjour. C'est un peu l'autre côté en fait. Voilà, j'y suis là. Yes, c'est parti. Allô? Shane, je vois aucun de tes hommes dans le coin. Ils ont dû filer à cause des Akula. Ils se sont fait coincer près de la gare maritime. Combien ils sont à les pourchasser? Des tas. Pourquoi? Tu veux rejouer la machine à tuer pour mettre à jour ton tableau de chasse? Je fais ça uniquement pour Brent. Arrête ton char. Je t'ai observé la dernière fois. T'avais la rage dans le regard et le sourire aux lèvres. Tu prenais ton pied. Je vais bien. Ouais, j'ai raté le truc. LOL. Bon, c'est pas grave. Allez, on se barre. Merde! Je les rate tous quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, on monte. On monte ou on descend? Non, on monte. On monte! J'ai dit on monte! Voilà, on monte. Mes hommes sont à couvert là-bas, derrière un de mes camions. Protège-les, ils te couvriront quand Jenny aura piraté le téléphone. Oh là là! Ouais, mais c'est un peu nombreux là. Oh putain, y'a du monde. Les mecs sont pas capables de se défendre tout seuls quoi. Ils ont des armes mais c'est toi qui dois y aller quoi. Je me gêne pas dans mon action là. Oh le mec! Bien joué, championne! Je vais rassembler les survivants ici. Rejoins le second front. Le front? Tu te crois en guerre ou quoi? Bah ouais, on a volé ses flingues. J'ai équipé mes hommes. Ils ont commencé à retourner la ville pour trouver Brent. Et évidemment, ça a pas plu aux Akula. Ouais. C'est une guerre des gangs. Et tu l'as déclenchée. D'accord, je vais vous aider. Allez, fais
fais pas cette tête. On fait un vrai carton ici. Et une fois que Brent sera libre, on devrait prolonger notre petit arrangement. Toi et moi bossons ensemble. On pourrait déplacer des montagnes de drogue très lucratives. Pas question. Le DUP arrive. Si je finis en taule à cœur d'un quai, je reverrai jamais mon frère. Concentre-toi sur Brent. Oui, madame. Les Akulas sont désespérés. Je parie qu'ils balancent tout ce qu'ils ont contre. Ah bah c'est eux là. Près de la Needle. Parfait. J'espère que c'est une parade d'Akula. Ah salut. Ah, t'en connais bien là. Oh non. Salut. Ah mais j'ai pas fait de modifications, faudrait que j'achète des améliorations. Attendez, y'a un sniper. Y'a un sniper. Voilà. Bonjour. Je vais passer. Salut. Oh. C'est quoi ça? Des snipers. Yeah. Salut les mecs. Salut, il a carrément un bazooka. Ouais. Salut. Vous allez bien? Ouais, j'utilise pas encore mon super pouvoir. Je l'utiliserai après. Ah, y en a un qui bug, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils sont un peu nombreux là. Allez! Ouais! Tous! Vous ne passerez pas! J'ai vu tes dernières étincelles? T'avais l'air remonté! Cette débauche de violence, ça m'a froid dans le dos. Je fais ça pour aider mon frère. C'est tout. Pas par plaisir. Lui et moi, on aime un peu pas le néon. De... Oh, d'accord, je vois. Tu veux pas que Brent. Ouais, pouvoir. Non, hein. La machine a tué. Pouvoir. C'est tout le temps, justement. Brent est toujours là pour me protéger. D'habitude, du pouvoir. Ouais, du pouvoir. Brent est tout ce qui me reste. Bon. Youhou. Si tu dois étouffer ta rage pour que ton frère reste avec toi. Ton asphyxie. Allez, dernier étage. J'ai le téléphone de la Kula. On sait où ils retiennent les otages. Wow. Quand tu seras prête, retourne-toi devant Nate Hall sur Madison. On y est. Allez, bon. Bah, arrêtons de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. On y va. Attendez, je vais quand même mettre des pouvoirs. Hop. Ça je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et puis ça c'est quoi ça? Augmenter la capacité d'énergie lumineuse. Ouais. Ouais. Ah mais j'ai plus rien là. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va prendre ça. Hop. La 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 la. Bon bah, on va continuer, on va faire une dernière mission. Il est quelle heure là? 24 minutes pour moi. Où ça doit faire je vous ai dit une vidéo d'une heure, donc comme j'ai coupé tout à l'heure 30 minutes, là ça fait 24. Donc on va aller jusqu'à 30, donc ça va faire la dernière mission qu'on va faire. C'est parti. C'est toi? Mega et moi, on est sur le parking. Grimpe vite sur le toit du camion. Ouais, il y a un type sur le toit du camion. Vu que ça me fout, moi. Encore le fusil de chasse embarqué? Encore? Mais attendez, on fait toujours la même chose. Attendez, dites pas que c'est répétitif le jeu. Le DLC n'est pas est répétitif comme ça là. Ça va pas le faire. Hein. Derrière nous, dans le pick-up. Ouais, pick-up.
Pickup. Pickup. Hey cowboy, appuie sur champignon. Comme tu veux. Moi, j'ai un airbag. Bah, elle a des bonnes airbags. Hein. Yes. Oh. Encore quelques missions comme ça, et la ville est à nous. Bah alors, hein. Voiture qui ne s'épouse pas. T'as vu? Oh putain, eux, ils ont carrément rentré dans le... Dans le poteau. Allez. En fait, on est en train de battre les Yakuza, en fait. Si j'ai bien compris. Ok. Jenny pense qu'ils retiennent des gens dans les containers sur les docks. Va falloir ouvrir toutes les portes jusqu'à tomber sur la bonne. Dis à tes hommes de rester derrière moi. Je veux personne dans ma ligne de tir. D'accord, c'est noté. C'est toi qui mène la danse, trésor. Je sais. Oh putain. Bon bah on va faire ça. Ah mais c'est un peu repris du jeu original là. Quand on n'a pas d'imagination, on refait la même chose. En gros quoi. En gros c'est ça quoi. Où est mon frère? On savait pas quoi faire donc on a décidé de faire la même chose qu'on a fait avec je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Il est forcément dans l'un des conteneurs. Ils y parquent les otages. Les otages. Brent! Il est pas là. Sauf que là c'est plus des maisons. C'est oh ça c'est joli ça. Sauf que c'est plus des maisons, c'est des cotonnerres là. Pourquoi tu fuis là? Pourquoi tu fuis? Pas fuir. Fuir c'est mal. Ah là vous êtes un peu trop nombreux. Tu es mort. Yeah. Les otages. Les otages. Yes. Ah, mauvaise pioche. Salut. Ah non, c'est une dame. Pardon. Excusez-moi, madame. On va maîtriser. On va maîtriser. Dick. On maîtrise. Salut. Par contre, faut pas aller dans l'eau. Ah, ça c'est vrai, c'est vraiment bête que les personnages peuvent pas nager alors. Je sais pas. Alors. Écoute, je... Oula. Je suis libre. Enfin je crois. Quelqu'un attaque les Akula. J'en profite pour. Oh là là, il y a du monde là-bas. Où tu es? Aucune idée. Attends. Il y a ça là. Près de la station de Monorail Sud. Merde. Ils reviennent. Lol. Ils sont vivants. Brett. Jim. Non, non, pas maintenant. Non, j'ai pas le temps. Fuis les docks. Ouais. Shane, t'as quelqu'un vers la station de Monorail Sud? Mon frère est sorti, il a besoin d'aide. Oh putain. Je m'en occupe. Je serai bientôt là. Y'a du monde. Salut. Ça fait combien de temps là? Ah, oh, ça fait une heure. Ça fait une heure, ça fait une heure. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on s'arrête? Une petite dernière, allez, une petite dernière. Faites-moi plaisir, une petite dernière. Allez.
Youhou. Je me suis sentie bien en courant vers Brent. Je rentrais à la maison. Passer du temps avec lui me remettrait les idées en place. Fini les crises de panique que seuls mes souvenirs pouvaient calmer. Il était ma planche de salut. J'avais hâte de le retrouver. Ah, c'est où? C'est où? C'est où? Bah, c'est où? C'est en bas? Ah oui, c'est en bas. Brent! Beth! Oh, bon sang! Viens là. Hey, Brent. Je suis désolé, ma jolie, mais je vais avoir besoin de tes services. Jusqu'à ce que je me fasse une place dans cette ville. Ensuite, tu le récupères. Non! Parole de secours. Faites pas ça. Juste quelques boulots. Faites! Non, non, non! Je perdais pied encore une fois. Il me fallait un souvenir, même un mauvais, pour m'y accrocher, me concentrer. Quand on vit dans la rue, on est comme un déchet aux yeux des autres. Le déversement de haine s'arrête jamais. Mais quand on s'est fait notre premier fixe... Oh, wow. D'un coup, c'était plus si grave d'être un déchet. Pour cette sensation, on était prêt à tout. Brent a vu que ça finirait mal. Il a même planqué ma cam pour me faire accrocher avec lui. Mais j'étais trop accro. C'était vraiment trop bon. Je pouvais pas m'arrêter. Impossible. J'avais besoin de contrôle. Quand Shane a eu Brent, j'ai craqué. C'est comme si votre corps développait une résistance. Un nouveau pouvoir pour vous aider à faire face. C'est tout à fait ça, ouais. Vous voulez voir? Approchez. Plus près, amenez-moi vos gars. Ok, ben on va se laisser là, parce qu'à mon avis, ça fait le deuxième chapitre. On a vu deux chapitres dans l'épisode. À mon avis, hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça vous fera plus une heure et quelques. 1h33. 1h03 exactement, si j'ai bien calculé, ou un truc comme ça. Ou 1h20, je sais pas, une heure quelque chose. J'espère que cela vous aura plu. Vous avez eu beaucoup d'infamous. On aura la suite dans le prochain aventure, dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas The Last of Us. Le DLC est en route sur la chaîne aussi, donc n'hésitez pas. Sur l'heure, j'espère que tous les let's play à l'heure actuelle vous plaît et que celui-là vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et d'être aussi nombreux sur la chaîne. Allez, salut et à la prochaine. Bye bye.